Hey, regardez tous ces monstres qui crament derrière. Voilà, regardez. Bouh, le squelette, il va mourir en direct. Allez, vas-y, c'est quand tu veux. On croit en toi. Voilà, ça dégage, ça dégage. Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude et beaucoup plus. Je suis même très excité parce que j'avais très très peur du dernier épisode par rapport à ce que j'ai fait, vous le savez. Donc voilà, déjà pour commencer, un grand merci pour votre compréhension. Forcément, hein, c'était un peu injuste, il y a eu pas mal de bugs. Donc j'ai dû faire des choses pour nous faciliter la tâche. Bref, merci beaucoup à tous, ça fait très plaisir. 9e épisode d'Emkolo l'Explorateur, notre survie modée en 1.19. Je ne sais même pas par quoi commencer dans un premier temps, un nouveau shader. J'ai voulu varier, j'ai voulu changer, donc je vous le présente rapidement. J'espère que voilà, vous m'en direz des nouvelles. C'est le SEUS Renewed. Depuis les 8 premiers épisodes, j'utilisais le Triton. Et donc là j'ai voulu changer parce qu'en vrai il est un petit peu plus fluide. Et puis bah ça permet voilà de rechanger un petit peu les couleurs tout simplement. Deuxième chose, j'ai fait des petites truc en off, et notamment vous le voyez ce pont, je suis très content, regardez comme il est beau, enfin il est beau, oui si j'aime bien. Eh, est-ce que je commence pas à m'améliorer en build? Alors évidemment je me suis fait plaisir, j'ai fait ça, je vous présente un petit peu le pont, j'ai utilisé des feux de camp un petit peu, voilà, j'ai fait pas mal de petites choses. Pourquoi j'ai fait ce pont d'ailleurs? Bah tout simplement parce qu'il y avait un abonné en commentaire qui se reconnaîtra, qui m'avait dit ouais ce serait pas mal de faire un barrage par rapport aux troupes d'eau, donc de faire un barrage et puis après faire un pont mais avec des pistons et tout. Et en fait je voulais pas me casser la tête avec ça, mais j'ai trouvé l'idée bonne de faire un pont parce que parce qu'on passe souvent par là. Donc du coup j'ai construit un pont. Durant la construction de ce pont, j'ai eu des mésaventures que je vous montre maintenant puisque j'ai tout filmé au cas où, et j'ai bien eu raison. Je me suis fait accoster par des pillagers, donc ces villageois méchants tout simplement, qui sont venus jusqu'ici pour me rencontrer. Au début ils étaient deux, donc je les ai massacrés sans problème, et puis par la suite ils sont venus de plus en plus nombreux. Je me suis dit il va falloir arrêter les conneries, j'ai pas envie d'avoir l'enchantement Bad Omens, donc vous savez cet effet mauvais présage qui fait que après quand je rentre dans un village et ben j'ai mauvais présage et après il y a des raids, donc en gros le village se fait attaquer. Je voulais vraiment pas ça, donc au final j'ai buté tout le monde et j'ai quand même eu l'enchantement Bad Omens au final. Et puis en plus de ça je me suis fait attaquer par des trucs qui font très peur. Voilà, j'ai cru que j'allais mourir les gars, et au final je me suis retrouvé avec une attaque de village parce que ben, je suis rentré dans le village et j'ai déclenché un raid, mais je l'ai évité. Voilà, j'ai tout simplement évité de rentrer dans le village et il a disparu, mon enchantement a disparu, enfin mon effet a disparu, et regardez là je peux rentrer dans le village de nouveau, plus aucun problème, voilà j'ai plus aucun, donc voilà ça fait plaisir. La technique si tu veux pas te faire attaquer, eh ben, c'est d'éviter le conflit tout simplement, et ça marche très très bien. Donc voilà, j'ai pu construire ce pont, bien sympa, j'ai fait une petite boucherie de vaches également. Voilà, j'ai tué toutes les vaches, en fait, c'était très très glauque, bien sympa. Et j'ai fait la rencontre également d'un... Comment on appelle ça? D'un baroudeur. Vous savez, les gens du voyage, en fait, si on peut appeler ça comme ça, avec leur lama. Du coup, je l'ai enfermé ici, mais il a des pop. Donc d'ailleurs, je peux enlever les barrières. Je suis vraiment déçu, parce qu'il aurait pu être bien sympa. Il était de bonne compagnie, d'ailleurs. Mais il a des pop, malheureusement. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé en off. C'est pas tout. C'est pas tout, les amis. Puisque j'ai également rangé mes coffres. Enfin, j'ai rangé mes coffres. Alors là, regardez dans ce petit fourneau, voilà toute la nourriture. On est très, très bien. Là aussi, il y a de la nourriture en masse. Dans le frigo, j'ai rangé. Regardez comme c'est beau, là. Tout ce qui est frais, un petit peu. Les cookies, les tranches de pastèque. Bien sympa. Les coffres en haut, je les ai rangés. Donc déjà tous possèdent des items frame. Il y a des coffres encore vides, donc ça c'est parfait. Donc là au moins je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Les glow item frame, je les ai mis au niveau des minerais. Et puis là j'ai pas mis de glow item frame parce que j'ai du mal à les voir. Donc voilà, autant faire ça comme ça. Le livre des abonnés, bien sûr, il est ici. Le livre des abonnés, faisons un petit tour. Vous avez bien joué le jeu. On a Omix, premier dans le livre et aussi premier à mourir. Mais Emkolo nous apprend jour après jour. Un jour je serai fort. Jetmax15, si tu veux une citation, n'hésite pas. Clem Sugar, à quand un nouveau The Wall? Tu n'auras pas de réponse. Cyril53, si tu veux une citation, n'hésite pas. Théo Camiolaria, très beau, très belle citation.
Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, bien sûr. On a Scorpio, évidemment, également O98OLB. Si vous voulez des citations, n'hésitez pas. Nolwen28, chef, je suis la dieu des chacals. Lucie, n'hésite pas si tu veux une citation, ça fait plaisir, Lucie, fidèle au poste. Nolan71, derrière un four, dans une mine, se trouve du diamant. Oh. Et puis, Icaron, Mkolo qui vole pas haut. Merci beaucoup. Voilà, donc le livre des abonnés, ceci étant fait, ça fait plaisir. Le pont, je vous l'ai montré. Au niveau des portails, aujourd'hui dans cet épisode, on va essayer d'aller dans le Nether. Mais avant, on va créer, j'aimerais créer le portail pour aller dans l'Eden. Et pour ça, j'ai tout ce qu'il faut, ou presque. Regardez. Ah oui, attendez, regardez, vous voyez cette échelle? C'est une échelle en fer, c'est tout nouveau. J'ai découvert le craft en fait, donc je vous montre, hop, je la casse. C'est une Iron Ladder qui s'est craftée tout simplement avec des lingots de fer et des sticks. Et en fait, regardez ce qui est génial. Ouah ! Ah, bah évidemment, je me suis fait bloquer. Évidemment, mauvais départ. Regardez. Waouh ! Voilà, ça permet de monter ultra rapidement. Ça, je peux te dire, mon pote, c'est du génie. Alors, ça permet pas de descendre rapidement, mais ça permet de monter rapidement. Donc ça, c'est du génie. Alors, au niveau des blocs de cuivre, j'en ai assez. Clairement, le cuivre, j'en ai assez. Mais ce qui me manque... c'est le miel. Voilà, j'avais pas assez de miel. Donc il faut absolument qu'on trouve du miel, sachant qu'on sait où en trouver. Donc on va y aller, les amis. Et puis après, on va. Voilà, aujourd'hui c'est un épisode chill, beaucoup plus chill, mais où on va vraiment créer tout ce qu'il faut. Et on va aller dans le Nether, donc pas sûr que ce soit très chill. En gros, il faut 12 escaliers en cuivre taillé ciré. C'est ce que j'ai. Il faut 4 blocs d'améthyste et 4 éclats d'améthyste. C'est ce que j'ai. Je suis allé récupérer ça d'ailleurs dans la mine, souvenez-vous, où on s'est fait attaquer par le monstre d'améthyste. Mais d'ailleurs, il est mort, donc il y a pas de problème. Il nous faut un bloc d'or, il nous faut un briquet, et en fait il nous faut 12 cuivres taillés. Non attendez, non. Il nous faut... cuivre taillé ciré. Si, il nous faut 12 cuivres taillés cirés. Et clairement, on n'a pas assez, il nous faut beaucoup de miel. Puisque pour faire du cuivre taillé ciré, il faut du cuivre taillé plus du rayon de miel. Le cuivre taillé, on en a assez. Puisque du coup, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le 12e ici. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, il faut juste qu'on ait du miel. Et normalement, on a tout ce qu'il faut. Si je dis pas trop de bêtises. Donc là, il nous faut 11 miel. Quelque chose comme ça. Donc c'est l'occasion, les amis. On va partir se promener. Voilà, on va partir se promener. Je vais mettre... Attendez, il me faut un lit. J'ai un lit dehors, de toute façon. Ok, pas de problème. Donc on va récupérer le lit. Donc vous voyez, j'ai fait un petit chemin aussi, le petit étang d'eau. Voilà, je l'ai bloqué tout simplement parce que c'était un petit cours d'eau ici. Donc je l'ai bloqué. Voilà, en fait, comme vous le savez, comme il y a de l'herbe et tout qui pousse de partout, c'est vraiment la galère. C'est stylé, hein. C'est stylé, cela dit. Mais c'est la galère. Ça va les vaches. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit... vous voyez ce que je veux dire? C'est chill, là. C'est plutôt chill. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles. Moi j'aime bien ce pont, je suis content. Là l'idée ça va être de mettre des barrières un peu partout pour sécuriser comme il faut. Mais je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Ça c'est très chiant ça. À chaque fois que tu marches dedans, tu te fais ralentir comme de la Soul Sand. Vous m'en direz voilà ce que vous en pensez. Je suis content, j'ai fait ça de moi-même. Au début je me suis inspiré avec des vidéos TikTok. D'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur TikTok. Je me suis inspiré puis après j'ai vraiment fait ça à ma manière. Alors vous voyez, j'ai déforesté des arbres hein, du coup hein. J'ai coupé beaucoup d'arbres. Ça fait plaisir. Regardez, ça c'est mon petit péché mignon. J'adore faire ça, vraiment, c'est 10 bûches de bois d'un coup. C'est quand même... j'aime trop faire ça, voilà. Bon, on va aller de nouveau au manoir. Alors on va pas l'explorer les gars, c'est bon, hein, on a assez donné. Mais on va juste récupérer du miel par là-bas, parce que évidemment on sait que là-bas il y a du miel. Et puis après on va continuer de toute façon de se promener, hein, pour voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit peu faire de l'exploration sans trop se prendre la tête. Merci d'ailleurs pour tous vos conseils concernant le miel justement. Voilà, vous m'avez un petit peu expliqué comment ça fonctionnait. Vous m'avez également dit que le bouclier, durant une phase PVP dans le dernier épisode, souvenez-vous, le bouclier il a fait une pause. Ça, je pouvais plus utiliser le bouclier pendant un petit moment. Je pensais que c'était un truc sympa du mode. Mais en fait non, c'est totalement normal et c'est un truc Vanilla. Voilà, vous m'avez expliqué. Tout bêtement, c'était parce que l'adversaire il avait une hache. Tout simplement, donc voilà, merci pour... tous ces tips, ça me fait très plaisir. Je suis content que vous ayez bien pris, comme dit. J'avais sincèrement. Ah! Oh punaise! Ah, le renne du Père Noël! Par contre, il fait peur, sa race. Hein. Oh non, il se fait. Oh non! Oh non, c'est injuste! C'est bon. C'est bon, il a arrêté de l'attaquer. D'accord. Il est gentil avec moi, l'ours, au moins. Et j'ai peur. Voilà, j'ai peur. On va faire gaffe s'il y a des ours bébés. Hein. On va éviter de s'en approcher.
Là, il y a des ruches. Et regardez, je peux récupérer là, je crois. Pas du tout. Il n'y a pas les trucs noirs. Dans le cul, la balayette. Donc, la valeur sûre, c'est dans le cul. C'est pas grave. De toute façon, on va continuer de se promener. Après, ça aurait été bien de pouvoir récupérer les ruches. Mais j'ai pas l'enchantement Silk Touch. Donc, forcément, voilà. Donc là, c'est l'occasion un petit peu de se promener. D'ailleurs, regardez. Ah non, j'ai plus de torche. C'est dommage. Mais en gros, avec ce shader, j'ai Dynamic Light. Voilà. Tout simplement. Oh. C'est joli l'eau là. On dirait, vous savez, l'eau où il faut pas aller dedans parce que l'eau elle est bleu clair, un peu chimique, je sais pas quoi là. Mais ouais, j'ai pas de torche, je suis débile moi. J'aurais dû prendre des torches parce que là on aurait tout bien vu les zones claires là, les zones sombres je veux dire. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue là, on se promène un petit peu, on n'est jamais allé là. Donc c'est vraiment l'occasion un petit peu de se balader. Oh là là, on va pas aller là évidemment. On n'est pas là pour miner hein. Ah, il y a une structure là, pas du tout, c'est pas du tout. Je croyais qu'il y avait une structure. Et en fait, c'est juste un biome qui a l'air assez sympa. On va aller faire un tour. De toute façon, on va se promener en rond hein, pour après pouvoir retourner à la base. Mais ouais, ce serait sympa de... Ah, c'est sympa parce que là, c'est clair. C'est dégagé, c'est une petite plaine. Mais ce serait sympa, voilà, d'avoir des ruches, quoi. Sans déconner. Et alors, les ruches, on n'en trouve pas dans les biomes jungle. Par contre, là-bas, on peut en trouver. Donc on va y aller quand même par là-bas. Du charbon. Attendez, j'ai du charbon là. Voilà, on va pouvoir se... Eh, génie ou pas? Bien sûr, génie, regardez. Hop. Et hop. Voilà, et là, regardez. Dynamic Light, comment ça fonctionne très très bien. C'est ultra agréable. Voilà. Avec le shader, on pouvait pas voir justement avec le shader. Enfin, avec la torche dans la main, ce qui était dommage. Mais là, maintenant, on peut. Et d'ailleurs, si je jette la torche... Normalement... Ah non, ça fonctionne pas. Très bien. Je n'ai rien dit. Bon, en tout cas, voilà. On va dormir peut-être, hein. Voilà. Mais attendez, il y a une épave. Alors là, les chunks génèrent, hein, donc là, il y a quelques petits freezes. Rien de bien méchant, normalement. Ça m'a tout l'air méchant, en tout cas. Mais on a une épave de bateau, et en fait, il y a un villageois, et en plus, un coffre. Bah, let's go, hein. On va aller voir... Alors, j'espère que c'est pas un piège, parce que maintenant, j'ai compris qu'on pouvait être face à quelques pièges. Genre des cochons qui se transforment en sorcières, par exemple. Si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour, Ilias Reininger. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, d'accord, c'est parce que vous êtes bête. Et on a... Bon, bah, du charbon, ça, c'est bien. Et on a des tomates. Oh, stylé, on n'a pas de tomates chez nous, je crois. On peut faire des trucs avec. Oh, on peut faire brochette. Caisse de tomates. Caisse de tomates, là, sincèrement. D'accord. Sandwich au bacon. Ok, on peut pas faire... Si, on peut faire des graines de tomates. Et ça, ça vient du mode, vous voyez, Farmer's Delight. Donc, on va pouvoir faire des plantations de tomates. C'est stylé, ça rapporte pas beaucoup. Mais pour faire des coffres de tomates, c'est rigolo. Voilà. On a de la savane. Oh, ça faisait longtemps que j'ai pas vu de savane. Ça fait du bien. On va y aller. On s'éloigne un petit peu de notre base, hein, mais c'est pas bien grave. Dans tous les cas, je vous le dis, c'est pas un pré-shot. Je m'engage à ce que, dans cet épisode, on aille dans le Nether, dans tous les cas. On va pas forcément explorer le Nether, mais juste le fait de rentrer dans le Nether... Et voir la gueule qu'on a. Après, ça se trouve, on va être dans une grotte dans le Nether et c'est dommage. Mais dans tous les cas, on ira dans le Nether. Et j'espère pouvoir faire le portail pour aller dans l'Eden. On va pas aller à l'Eden, mais on va faire le portail. Alors, on a une structure ici. C'est ça ce qui est cool dans les explorations, c'est qu'on a des structures. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a une entrée? Non, c'est juste une structure comme ça. Donc, je me permets de casser. Et de monter tout en haut. Ce qui va nous mener à nulle part. Moi, ce qui me ferait rigoler, c'est qu'on tombe par hasard sur le Stronghold. Alors, je dis ça parce que je vois de la pierre taillée. Ah! Il est malade, lui. Oh là là, je suis un peu trop expressif. Ouais, ça me ferait marrer que, genre là, il y a un trou, tu vois. Un trou dans une grotte. Et qu'on regarde et qu'on voie un Stronghold. Ce serait génial. Ah, là-bas, il y a aussi une structure de la même façon. Ça sert à rien. MLG! Merci à tous. Des champignons. Ouais. On est là pour des ruches, hein, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Oui, alors pourquoi ça me fait rire pour ceux qui ne savent pas? Parce que, d'ailleurs, le commentaire du jour, alors attendez. Le commentaire du jour, j'allais l'oublier. Raph, gros big up à toi. Premier épisode de ta série sur Minecraft pour moi et je suis totalement fan. Je vais regarder le début du let's play. Donc, gros big up à toi parce que du coup, tu verras ton commentaire du jour un petit peu plus tard probablement. Ça fait plaisir. Donc, grand merci à vous, ceux qui découvrent, qui rejoignent au fil de la série comme ça. Et du coup, ça vous donne envie de regarder dès le début, forcément. Donc, merci à vous. Vraiment, ça fait trop plaisir. Et justement, ce que je disais, c'est que peut-être que pas tout le monde connaît Minecraft.
Et du coup, je dis ça parce que le Stronghold, c'est là où en gros on va pouvoir affronter le l'Ender Dragon. Donc, on va dire le boss final du jeu, comme on l'appelle. Mais en fait, pour trouver un Stronghold. Oh, il y a de la fumée là-bas, let's go. Pour trouver un Stronghold, en général, tu dois farmer pour faire des Ender Pearl et tout, des Ender Eyes. Bref, tout un procédé à faire. Et tu dois farmer et tu dois le trouver avec tout ça. Sauf que si tu le trouves par hasard, eh ben, c'est des heures et des heures de farm en moins, quoi. Et c'est vraiment sympa. Waouh, on a un château fort. Bon, lui, à mon avis, c'est... Eh, mais c'est trop stylé. Ah si, il y a des méchants. Oh, il y a des méchants, je pensais que c'était safe. Ah, je suis déçu. Bon, après, il est pas dans le ciel. Donc, en vrai, c'est jouable, hein. On va y aller avec le stuff qu'on a. On va y aller comme ça. Lui, il me voit de loin. On va essayer, hein, après. Stone Castle. I'm gonna be... Je connais absolument aucune parole de cette musique de Freya Ridings, pour ceux qui connaissent bien sûr. Alors attends, bonjour. Ah, j'avais pas vu que c'était un squelette. Ça va bien se passer. En vrai, je préfère ces monstres là que les piégeurs. Oula. Mais à mon avis, ça sent les pièges, hein. Ça sent les pièges. Allez, on y va tranquillement. On a dit un épisode chill, hein. Ah! Ils sont des millions. Mais j'ai pas pris d'arc et tout, j'ai rien pris, je suis débile. J'aurais dû prendre un arc. Non mais là, ils viennent à l'infini, frère. Ils viennent à l'infini. Ok. Petite musique en fond. Une musique qui ne va pas avec l'ambiance. Et c'est très bien comme ça. Ça permet de se détendre. Alors ça, mon pote, regarde. Ok, je préfère faire ça au cas où. Parce que ça sent la couille. Ok, là je suis safe. Plein de fer. Ça je prends, j'aime bien. Un arc et des flèches. Parfait. Ok. Ok. Oh, c'est stylé. Ils sont en train de s'attaquer entre eux, les cons. Ah, les débiles. Ah, les débiles. Oh, oh, j'ai de la régène. C'est trop cheaté. C'est trop cheaté, j'ai de la régène parce qu'il y a des feux de camp. Donc qui dit feu de camp dit que je régène. Deux spawners remaining. Ah, il faut que je casse des spawners avant d'ouvrir le coffre. C'est excellent ça. Et il est trop bien ce jeu. Enfin ce mode. C'est génial. Ah, attendez, c'est trop cheaté. Oh putain. C'est cheaté de rien du tout, frérot. Hein? Attends. Je comprends rien, ça me fait peur. Bon, ça me fait moins peur que le manoir, hein. Ah, je peux le toucher de là, frère. Ah ouais. Ah oui, non, là, ça va être complexe. Ah ouais, d'accord. Oh là là, pas cool. Pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Alors, attendez, comment on peut faire? Ok, des bougies. Bah, la musique, elle fait peur un peu, là, maintenant. Attends, hop, ça, je récupère. Un petit peu de répit. Un coffre, du pain. Des laisses. Et la musique, elle fait peur, hein. Bon, feu de camp, très bien. Un coffre. Du pain. Du pain. Je prends un peu tout ce qui est nourriture, sait-on jamais. Allez, on va monter l'échelle. Ah, j'aime bien. On s'éloigne de l'objectif principal de cet épisode. C'est pas grave. Très très bien. Oh le bâtard. Oh le bâtard. La musique, ça fait vraiment ambiance mode zombie, hein. Ok. Oh, elle est mignonne la musique. Tu crois que ça passe ce que je vais essayer de faire? Ce serait génial. On se repose un peu avec la musique, les gars. N'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr, très important si cet épisode vous plaît là. On s'éclate. Ça passe. Ça passe. Bonjour.
Bonjour à vous. Vous pouvez rien faire, bande de nullos. Ah! Oh, je peux allumer la lumière? Attendez, j'aimerais allumer la lumière. Ah! Voilà. Ah! Ok. Est-ce que... Nice. Attendez, j'ai récupéré un arc génial. Infinité, magnifique. Voilà, bah c'est bien. Voilà, c'était ce que j'avais oublié de ramener. Tu vas faire quoi? Ah, du los. Ah. Ah non. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ouais, ça me fait peur. Bon, ils s'attaquent entre eux là. Oh, trop fort. Attendez. Ça marche à travers. Mais mec, incroyable. Nulos. Go. Go. S'il y a des pièges, je vais en plein dedans. Eux? Ah oui. Je sais pas d'où tu sors, frérot. Allez. Mais frère, je pars avec mon bouclier, ça marche pas. Ok. Allez, on régène. En plus, franchement. Ah ouais, non, mais je sais pas d'où tu sors. Bon, là, c'est quoi? C'est stylé. Ok. Pas ouf. En vrai, c'est pas ouf ce qu'on trouve. Ah? Non, très bien. Ok. Ça, c'est de la truc pleureuse. Nobilité 1, Iron Sword. What? Attendez, on récupère des trucs de malade là? Comment ça marche? Je casse? Ah, je peux pas. Il faut faire quoi? Y a un bail à faire là. Mon lit, il est où, frérot? J'ai oublié de prendre mon lit. J'ai laissé mon lit. What? Non, les gars, j'ai oublié mon lit. Je suis le pire débile qui existe. J'ai oublié mon lit là où j'ai dormi là-bas. Il faut absolument que j'y aille avant que des monstres spawnent. Non, attendez, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a des. Il y a des moutons là. Il y a des moutons, frérot. Oh la chance que j'ai. Je suis débile. À quel moment j'oublie de récupérer mon lit? Je ne sais pas. Il me faut vite du bois. Je suis dans la merde là. Là, je suis dans la merde, les amis. Mais ça va aller, hein. Ça va aller parce que là, j'ai de quoi. Voilà. Donc là, je fais une table de craft. Là, je suis stressé là. Là, je vous le dis honnêtement, de vous à moi, de moi à vous. Et je dors. Wouh! Oh là, par contre, le stress était à son maximal, hein. Ah ouais! Non mais attendez, pourquoi j'avais pas pris mon lit? Je comprends pas. À quel moment j'étais débile comme ça, je ne sais pas. Mais maintenant c'est bon. Bon! On y retourne un peu à ce château pour un peu le terminer. Parce que là, au moins, on réussit, c'est plutôt pas mal. Alors attendez, je vais revenir là où on s'était quitté. Donc juste là, hop, je vais monter. Normalement c'est safe. Hop. Alors attends, je vais pas tenter le saut de l'ange, hein, quand même. Voilà, on a un coffre. Avec absolument rien. Je suis là les gars. Ok, j'étais plus haut. Ok. Ah ouais, donc là comment ça marche? Alors là il y a un truc que j'ai pas compris. Là il y a un truc que j'ai pas compris. Si vous avez une idée les amis, je suis preneur. Parce que là, je ne comprends pas. C'est bien mignon. Je pense qu'il n'y a pas... À part le truc qu'on a vu là, et que je sais pas comment ça marche. Alors, si vous avez une idée, je suis preneur. Mais je pense qu'il n'y a rien d'autre. Rien d'autre d'incroyable. Je regarde là, j'essaie de voir si on ne peut pas voir des ruches. Hein, parce qu'à la base, on est là pour ça quand même. Mais très stylé le château fort. Hein. Franchement, les petites structures comme ça, c'est que du bonheur. C'est que du kiff. Ça fait plaisir. Hop là. Alors, le squelette, tu t'attendais pas à hein, ce que je te prenne par derrière, Comas. Et ouais, mon pote. Vérifions quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Y a pas rien de bien ouf. Allez, on va se barrer d'ici, les amis. Hop. Eh, je tente le MLG ou pas? Je tente le MLG ou pas? Non, je vais le tenter ici d'abord. Voilà, vaut mieux, hein. Voilà, ça limite la casse. Je préfère faire 2 MLG que foirer 1 MLG et mourir à 100%. Hein. Ça aurait été bien, bien con.
Alors. Bah c'est très bien ça tout ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement partir par là-bas, donc direction sud, et après on va rattraper vers, vers l'ouest. Comme ça permettra de revenir vers la base depuis un autre endroit. Donc voilà, comme ça c'est pas mal, ça permet de continuer un petit peu l'exploration, on se promène, on marche. Et en plus de ça, bah, si on peut trouver justement les ruches d'abeilles, ce serait génial. Et une fois rentré à la base, dans tous les cas, comme dit, on ira dans le Nether, de toute façon j'ai ce qu'il faut. Donc ça c'est nickel. Mais c'est vrai, par contre les ruches d'abeilles, c'est pas si complexe que ça, et pourtant, ben c'est complexe quand même. Bon. Oh, une petite plage encore. Ah, à chaque fois j'ai l'impression de voir des structures. Que nenni. Donc là on a une petite plage cocotière. Cocotier. Et ben voilà une nouvelle structure les gars, ben on va aller par là-bas. Mais d'abord j'aimerais retourner un petit peu sur cette plage cocotier, parce que c'est typiquement dans ce nouveau biome là qu'on avait commencé la série à l'épisode 1. Et je trouve qu'on n'a pas assez profité de ce bois là. Et là l'avantage c'est qu'on récupère tout d'un coup, parce qu'avec sa bûche de cocotier on peut faire quand même des choses. Alors c'est du bois normal hein, mais forestry bench. À quoi ça sert ça? Je sais pas à quoi ça sert. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on peut pas faire des trucs avec ce bois là finalement. Alors je vais jeter des trucs qui me servent à rien. C'est un petit peu de la pollution finalement, j'en suis désolé. Heureusement c'est un jeu vidéo. Mais attendez, hop, hop. Là il y a des les cocotiers. Bon on en a à la maison des cocotiers, remarque, ça sert à rien de les récupérer. Oula. Toujours plus. Toujours plus les structures. Non attendez, c'est quoi ça? Bon là on va se faire soulever la gueule hein. Là je vous dis à l'avance, on va se faire soulever la gueule si on va là-dedans, non? Parce que là c'est pas un château fort là, c'est un vrai merdier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, il y a une abeille. Il y a une abeille. Il y a une abeille, vous savez ce que ça veut dire? The lighthouse. Ah c'est un phare. C'est un phare, mais c'est safe, non? Attendez. Regardez ce qu'on va faire, parce qu'il fait un petit peu sombre, j'ai l'impression. On va désactiver le shader illico presto. D'accord. On va se faire des torches. Et là, attendez, non, il me faut des blocs là. Il me faut des blocs, on va utiliser le cocotier, voilà. Et on y va. Mais je pense que c'est safe, parce que c'est une... Ouais, c'est safe les gars. C'est un phare, the lighthouse, ça veut dire phare. Parce que je suis un peu bilingue. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mime ça. J'adore les structures safe. Autant les donjons c'est sympa hein, mais quand c'est des nouvelles structures mais qui sont safe, c'est quand même hein, c'est quand même sympa. On a une petite vue. Par contre ouais, il y a une ruche qui doit pas être bien loin. Donc on va avoir, avoir. Par contre alors c'est safe. Pour autant je suis désolé, je vais récupérer ça. Voilà. Mais en fait ça sert à rien puisque du coup les enchantements on a déjà, on sait déjà. Bon mais c'est pas grave, au moins on a des bouquins gratos. Voilà, je lui laisse la moitié quand même. Ah, il y avait 50 nuances degrés parmi les livres, donc je voulais récupérer quoi. Hop. Bonjour. On a un four. Très bien. Oh. Oh, si je pouvais récupérer une jukebox, par contre, ce serait génial. Ça m'éviterait de gâcher un diamant. Donc, ce qui permet d'écouter les CD. Parce qu'on a récupéré des CD, rappelez-vous. Alors. On arrive tout en... Oh, là, en plus, il y a des coffres. Une carte vierge. On va la dé... On va là, rien du tout. Ah, ça je prends, sait-on jamais. Ok, avant même d'aller dans le Nether, on a une verrue du Nether. C'est sympa ça. Ah ouais, le phare. On a les lumières. Et je suis sûr qu'on peut activer. 100% on peut activer un système de redstone, non? J'en suis persuadé, les gars. Ah! Pardon, excusez-moi, je me suis excité, mais c'était sûr. On peut activer le système de redstone. Eh les gars, je vous promets que je ne connaissais pas, hein, mais c'était sûr. Et je pense que ça continue à l'infini. Ouais, c'est bon. Vas-y, on va descendre maintenant. C'est trop stylé par contre ça. C'est trop stylé pour le coup hein. Alors là le MLG je... J'ai un peu moins confiance mais vas-y on va faire. Et là regardez, attendez, là on voit pas, on va encore descendre. Et il est où le phare là? Attendez, on va essayer d'éviter de mourir quand même hein. Oh regardez, c'est les trucs de piège ça. C'est exactement ce qui m'est arrivé en off. Le cochon noir machin, il faut pas le toucher hein, sinon ça va être une sorcière. Voilà. Voilà, laisse-moi tranquille. Alors, regardez. On va s'éloigner un petit peu. Par contre, l'abeille, elle est sortie d'où, je sais pas. Voilà, regardez le phare, il fait la lumière. M'a fait peur, lui. Trop stylé.
Trop stylé. Vas-y, je remets le shader. Oh là, les gars. Je suis pas bien parce que là, il y a une sorcière qui est à côté de nous. Je vais être très honnête avec vous. Ça ne m'enchante pas. Sachant que je sais ce que c'est maintenant. Hein. Bon. Où c'est qu'on pourrait trouver la ruche? Putain, il y avait une abeille, frère. Ah? Non. Très bien. Une poule. Ah, j'ai pas de chance niveau abeille, là. L'abeille coule. Mais là, dans ces biomes, là-bas, il y en a, je pense. J'ai assez de bois, voilà, pour faire un bateau. Donc ça va être pratique pour le retour. Pour aller sur l'eau, là, quand même. Il y a une structure à voir là-bas, je m'en souviens. Vous inquiétez pas, on va y aller. Hein. Des abeilles. Plein d'abeilles. Plein d'abeilles. Plein d'abeilles. Alors, dans ce cas-là, on enlève ça. On troque l'arc contre les cisailles. Et on... Voilà. Alors, dis-moi... Ah, putain, ça fait chier. Et faut attendre combien de temps pour... Bah, je vais rester peut-être un peu dans le coin, non? Et peut-être qu'en restant dans le coin... Bonjour, petite abeille. T'es mon abeille. Bon, Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième ruche? Non. Hop là, de nouveau une petite plage cocotier, c'est sympa avec, regardez, Captain Krabs, le retour. Captain Krabs. Incroyable. Joli coucher de soleil d'ailleurs. Eh, les gars, on est en bord, eh, voilà, on est au bord de l'eau sur une plage. On assiste à un coucher de soleil, mon pote. C'est, et voilà, c'est la vie de rêve, quoi. C'est la vie de grève. La vie de rêve, je sais plus parler. Tac, en plus regarde, un petit bivouac, voilà, on fait un petit bivouac, tac, coucher de soleil, et on est très très bien là. Et regardez les amis comme c'est trop beau le coucher de soleil, je me suis permis en attendant de crafter un bateau coconut avec un coffre, et j'avais pas vu mais je me suis équipé des bottes en fer avec un enchantement accélération, ce qui fait qu'on court un petit peu plus vite mais surtout qu'on monte les blocs sans sauter, regardez, automatiquement. Donc en fait tu vas ultra vite, ah oui regardez, plus tu cours et plus tu vas vite, incroyable, appelez-moi Sonic, c'est génial. Alors ça c'est vraiment top. Voilà, ça c'est un enchantement qui te pénalise pas, bien au contraire. Ah, ça c'est plaisant ça. Ça c'est plaisant, plus tu cours et plus tu vas vite. Et en plus de ça, t'as pas besoin de sauter. Ça prend les... Ouais, tu te prends les blocs et tout, enfin c'est incroyable. Et là regardez, je cours ultra vite. Non par contre c'est le meilleur enchantement possible. Ça voilà, ça c'est pour ça que le mode avec les enchantements je veux pas l'enlever. Parce que oui on a plus les enchantements protection 4, tout ça machin. Mais déjà ça fait partie du jeu hein. C'est le mode pack qui est comme ça. Justement c'est très, c'est le but du jeu, c'est très bien. Mais en plus de ça les gars, bah quand vous voyez ces enchantements là, franchement c'est que du bonheur. Hop, ça dégage. Je me récupère un petit peu de bois gratos. Allez on va aller voir la ruche, s'il s'est passé quelque chose. Bon même si malheureusement on va pouvoir récupérer que dalle. Je peux même pas récupérer frère. Et si je casse la... Oh pardon. Pardon. Tu me fais pas peur. Par contre elles sont toutes énervées contre moi là. J'en ai 3 sur moi là donc je me casse hein. De toute façon je vais plus vite qu'elles. Bon. Bref c'est pas grave. On va aller à la structure là-bas. Ni vu ni connu. Est-ce qu'elles me poursuivent encore? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ah c'est génial. Est-ce que je nage plus vite ou pas? Non ça m'aurait étonné. Ah si peut-être, non. Bref je ne sais pas. Allez on va prendre le bateau et on y va. Je suis déçu hein, pour les ruches. Franchement, je vais m'en occuper en off. Je vais trouver un moyen. Je vais, je sais pas, je vais AFK et puis je vais. Ouais, je vais rester à côté d'une ruche AFK et puis je vais attendre tout simplement. On verra comment ça va se passer. Tranquillement. Je pense que je vais m'enfermer et tout et faire un truc. Voilà. Puisque malheureusement, on n'a plus l'enchantement Silk Touch dans tous les cas. Donc. Bref, on rame. On va au niveau de la structure. On rentre à la base et on va se faire plaisir. Et on va aller dans le Nether. Je suis désolé, les épisodes sont vraiment longs. Pour le coup, à chaque fois, je veux les faire courts et au final, il se passe toujours quelque chose. Bon, c'est toujours sympa, hein, c'est mieux. Enfin, vaut mieux ça que plutôt qu'on se fasse chier, hein, je trouve. Mais voilà. Hop. Oh, petite musique. Hein. Toujours sympa. Alors, c'est quoi ça? C'est trop mignon. Mais c'est trop mignon, encore un truc safe. J'ai fait un screen, vous l'aurez compris, c'est pour la miniature. Fishing in the dark. Il est gentil, lui? Oh, c'est un pêcheur. Non, il est pas gentil. Ah, il est pas gentil du tout. Méchant. C'est pas gentil ça. Donc c'est une maison pour pêcher. Incroyable. Y'a rien d'autre. Un four. Un coffre. Du poisson. Deals up to 50 more damage. Voilà.
More damage par Earth Missing. Très bien, incompris à cet enchantement. Chance de la mer, hop. Ça c'est cool. Attends, je vais troquer ça, je m'en fiche. Bah les bottes en fer, ça dégage. Et on a potion de chance. Un plus 1 de chance. Je sais pas chance de quoi, mais c'est ultra stylé. Ok. Tout ça pour ça, mais c'était pas mal. Au moins, en plus, on a une canne à pêche chance de la mer, donc ça va me permettre, voilà, de pêcher de temps en temps et de récupérer des trucs. Ça peut être sympa, pourquoi pas. Allez, on est bientôt de nouveau à la base. On a une structure là-bas aussi. Un bateau. Un bateau. Il y a trop de choses, hein. Il y a vrai. Eh, cet épisode, les gars, beaucoup trop de choses. Ça me plaît. Puis les musiques de Minecraft, hein, toujours un régal, franchement. Toujours un régal. Bon, normalement, c'est des bateaux safe, ça, non? Mes couilles, regardez. Ah, des pirates. Pirates. You are a pirate. I am a pirate. À l'abordage. Eh, de toute façon, c'est simple. Tu me fais pas peur. Ah. Alors, ça dit quoi l'équipe? En plus, vous êtes tellement débiles, vous attaquez même pas. Attendez, mais c'est ultra cheaté, ça. Ça me plaît beaucoup. Ah, ils ont l'air débiles. Ah, vous avez l'air débiles. Ça me dérange pas, hein, pour le coup. Hein. Ça se trouve, il y a un spawner et tout, donc on va pas... Voilà. Là-bas. Regarde bien. Oh, je suis un sniper. American sniper. Allez. Est-ce que j'ai des blocs? Bien sûr, j'ai des blocs. Hop, allez, j'y vais. À l'abordage. Moussaillon. On s'est fait attaquer. On s'est fait attaquer. Je suis trop à fond dans le truc. Je suis tellement excité. Ah ah. Attendez. Attendez. Ça va pas se passer ainsi. Che. Let's go. Mais en fait il bouge pas. Oh punaise. Ah ouais, ils sont débiles. Mais c'est trop bien. Bah tant mieux, hein, parce qu'en vrai c'est toujours la galère. Par contre j'ai reçu un enchantement ou un poison ou un truc comme ça. Aïe. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, c'est des flèches empoisonnées. Alors on a du bois, du charbon, de l'émeraude. Oh, frostbite. J'adore les bites. Attendez. On a bien fait. C'est pas fini, il y a encore des pièges, hein. Alors, l'émeraude, je prends. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Puisque j'ai déjà ma hache. Ok, il y en a qui marchent dans la soute en bas, je pense. On a un crâne de squelette, on s'en fout. Accélération, j'ai déjà accélération. Et on peut pas fusionner. Grant increased dark visibility and allow. Oh, arrête, on a un casque qui nous permet de voir dans la nuit. Non, ça permet de voir les entités à travers les... Non frère, c'est trop. Et frostbite slow hit entities machin frozen. Non ça je vais pas prendre, je m'en fiche. Eh, c'est incroyable. À travers les murs, au-delà de, enfin avant 16 blocs. D'accord. Bon, je vais quand même récupérer le charbon. Ça je m'en fiche. Le charbon, je prends. Du dur, frère. Ah, mec. C'est génial. Accélération, j'ai déjà. Et damage taken from behind. Ok. Eh, franchement, ça valait le coup, là. Ça valait le coup. Bon, les gars, ça dit quoi, l'équipe? Ah, vous avez raison. Venez en dessous de moi, ce sera plus simple. Ça dit quoi, l'équipe? Alors, trouver ça cheaté ou non, j'en ai rien à faire. Moi, je suis bien content que ça se passe ainsi. Ah, y'a un spawner, merde. Ah! Heureusement, ils peuvent pas monter les échelles, hein. Ça dégage! Ok. C'est bon. Neutralisé. Un coffre. De la merde. Ok! Ah, c'était sympa! Il est sympa le bateau pirate. Et franchement, on a récupéré du stuff de malade en vrai, hein. On a récupéré des trucs de malade. On peut pas monter en haut, évidemment, c'est une voile. Ah, franchement, je suis content. Et on voit les poissons et tout. C'est trop chou. Non, franchement, eh. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, pour le coup, je crois que c'est le meilleur épisode, pour le coup, de toute la série, hein.
J'ai envie de vous dire, c'est le meilleur épisode de toute la série. Franchement, hein, de vous à moi, de moi à vous, j'adore. Et il y a un autre... Eh non, frère, c'est trop. Il y a un petit bateau encore là. Eh, ça, eh, abusez pas, franchement. Hein. Abusez pas du bail. Hein. Mais c'est génial. Hein. Il se passe trop de choses. Ça me fait... Et franchement, voilà, c'est ma série préférée. Hein. Alors attendez, parce qu'il a l'air englouti. Non, c'est juste un, c'est juste de la déco. Ah ouais. Dommage qu'on puisse pas le conduire. Ah, c'est génial. Et ça, ça va nous faire froid dans le dos, je pense. Parce que de voir à travers les murs les mobs, on va se rendre compte peut-être de certaines choses. Genre, on va voir des mobs à des endroits où on s'imaginait pas qu'il y en aurait. Oh, nouveau biome. Un biome de bois de bouleau. Sympa, ça. Sympatoche. Eh mec, la vitesse à laquelle je cours, c'est insensé, frérot. C'est insensé, cet enchantement, il est génial. Il est génial. Bon, on retombe du coup sur un biome qu'on connaît bien, forcément, puisque du coup, on va revenir, j'imagine, assez rapidement au niveau de la base, là, à 300 mètres. Donc, on va revenir... Eh, mais attendez. Non, il y a des monstres. Ah. Ah. Attendez. Ça, j'aime pas. Voilà. Non, parce que le soleil se couche en même temps, donc ça, ça me plaît pas. Ok, je reconnais l'endroit, on est déjà passé par là en bateau, souvenez-vous. Non, parce que je me disais, on pourrait repasser au niveau du manoir, peut-être que les ruches sont bonnes. Mais ça m'étonnerait. Oh, il y a des chats. Des oslo. Ah là, j'ai eu peur, là. Ok, on est à la base, c'est bon, on est arrivé à la maison. On est arrivé à la maison, bah vas-y, on va pas faire de détour, en vrai, ça sert à rien, on est juste à côté. On va pas faire, on va pas repasser au manoir. Ok, on rentre à la base. Bon, du coup, j'ai malheureusement pas ce qu'il faut pour aller dans l'Eden. Va falloir attendre un petit peu. Bah, le prochain épisode, je pense. Hein, je vais essayer de voir en off. Ce serait génial de pouvoir... Bah, voilà quoi. On voit les crabes à travers les murs. Non, c'était pas un crabe. Non, c'était un crapaud. Bon, Akrapovic. Et est-ce que dans les feuilles, je me fais ralentir ou pas? Ah, beaucoup moins. Meilleur enchantement possible. Ok. Bon, on va faire le portail du Nether. Et on va aller dans le Nether. D'abord, je range les coffres et je vous retrouve dans un instant, les amis. À tout de suite. Ok, les amis, je suis prêt pour aller dans le Nether. J'ai tout ce qu'il faut. Ah bah, il manque en fait plus que l'obsidienne qui doit être... alors, l'obsidienne, c'est bien le seul truc que j'ai pas rangé. Ah si, c'est là, voilà. Donc, il nous faut 10 obsidiennes. Si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3... Ouais, ouais, c'est 10 obsidiennes qu'il faut. Et le briquet qu'on va récupérer dans un instant. J'ai récupéré... Alors, je me suis fait des lits. J'en ai que 3 malheureusement, j'ai pas assez de laine. Va falloir que je fasse de l'élevage de moutons également. Donc en off, je vais à la fois farmer, si possible, les ruches d'abeilles. Mais je vais aussi farmer la laine. Parce que du coup, dans le Nether, on va pouvoir miner de la netherite. Et les lits, c'est juste parfait puisque ça explose dans le Nether. Donc ça permet de faire du minage très rapidement, très facilement et trouver de la netherite relativement simplement. Donc voilà, les lits, c'est quelque chose d'important dans le Nether pour ceux qui ne le savent pas. Là, dans un premier temps, on va y aller, on va faire le portail. On va évidemment enlever le shader pour des raisons évidentes parce que sait-on jamais, je sais pas sur quoi on va tomber. Hop, ce qu'on va faire, donc j'ai le briquet qui est ici. On va faire ça bien quand même. J'ai toujours pas décoré ou quoi, mais vous inquiétez pas. On va, j'ai pas pris de pelle, je suis un débile, c'est pas grave. L'aménagement, je m'en occuperai évidemment en temps et en heure. C'est parti, le portail est créé. Est-ce que je suis serein? Bien évidemment, bien évidemment. Garder les blocs sur soi, la nourriture également. Et on va y aller, les amis. J'ai très peur, punaise. J'ai très très peur, attendez. Et c'est pour ça que j'aurais pu prendre la pelle sur le chemin. Parce que ce que je vais faire au cas où. Hop, voilà, je set le spawn. Ça set le spawn, voilà, point de réapparition défini. Sait-on jamais, hein. J'ai pas envie d'avoir de mauvaises mésaventures. Hein. Bah forcément, oui, dans le dernier épisode, quand j'étais mort, j'ai respawn au tout début, donc tu vois. Allez, on y va. Croisez les doigts. Ok. Ok. Oh. What? What? Ok. Ah. Ah. Le rollback. S'il te plaît. Ah ouais, non, là on va vraiment être dans la merde. Oh là 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 là. Oh, le Nether, on va être dans le caca. Parce que là, vous avez vu, on a des méduses volantes ultra stylées. On se croirait dans Code Lyoko pour ceux qui ont la ref.
Mais par contre, les rollbacks, ça va nous créer des problèmes, surtout là où est le portail. C'est-à-dire que là, le ghast nous tire dessus, le portail est mort, c'est terminé. Alors, toujours avoir un briquet sur soi, ça devrait aller. Mais s'il nous tire dessus, c'est mort. Et avec les rollbacks, on peut pas anticiper. Donc là, ça va être problématique. Bon, on a vu le Nether. Aïe, aïe, aïe. Mauvais bail. En fait, j'aimerais y retourner et sécuriser tout ça. Ah là 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 là. Vas-y, j'y retourne. J'y retourne. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Ok. Voilà. Déjà, ça permet de... Hein ? Voilà, on reste serein. Même si c'est un peu effrayant. Voilà, donc là, déjà on est safe. C'est pas mal. Là, on va pouvoir se faire un escalier. On est à la couche 83. Alors, comme ça, on peut un petit peu analyser. On a des beaux trucs, hein. Des sortes de méduses. Ça, c'est impressionnant. Je sais pas si c'est méchant. Je sais pas si c'est méchant. Voilà, déjà on a, voilà, on a notre zone, notre safe zone, tu vois ce que je veux dire? C'est important d'avoir une safe zone. Ça permettra de mettre les coffres. Voilà. Je vois pas de pigmen. Il y a du quartz partout, ça c'est pas mal. Il y a du quartz vraiment partout. Ok, on est à la safe zone. Attends, on va faire un truc carré quand même. Ok. Donc là il s'agira de mettre des portes et tout hein, pour faire ça bien parce que là évidemment. Ah par contre dans le Nether les bots ça risque d'être très dangereux hein. Ça risque de me causer du tort. Ok donc les amis, plus qu'à explorer. Comme vous savez je suis vos commentaires. Donc c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider. Vous me dites dans le prochain épisode on fait quoi. Sachant que dans tous les cas, hop, dans tous les cas je vais farmer en off pour avoir du miel. Et j'aimerais vraiment que dans le prochain épisode on puisse créer le portail pour aller dans l'Eden. Mais vous me dites en commentaire. N'hésitez pas à liker vos commentaires pour voir qu'est-ce qui vous chauffe le plus. Est-ce que dans le prochain épisode on va dans le Nether et on l'explore? Est-ce que on va dans l'Eden? Ou est-ce que on fait autre chose? Et on va explorer par exemple la structure dans le ciel, bien que je doute qu'on y arrive de malade. Mais vous me dites, soit le monde normal, soit le Nether, ou soit l'Eden. C'est vous qui décidez les amis, et sans vous je ne ferai rien, d'accord? Donc vous me dites en commentaire, je compte vraiment sur vous, sinon il n'y aura pas de prochain épisode dimanche. Comme ça je vous le dis, je ne vais pas faire quelque chose si vous n'aviez pas, si vous n'avez pas décidé de ce qu'on va faire. Donc vraiment je compte sur vous, c'est vous qui faites le prochain épisode. Clairement, voilà, je compte sur vous. Et comme ça, toutes les responsabilités, c'est pour votre pomme. Tout simplement, voilà, je me dédouane. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas le pouce bleu. Ciao tout le monde.